Bonjour, nous allons voir la fonction Dynamic Région avec Screen Recorder. Cette option vous permet de suivre l'activité de votre curseur lorsque vous faites une vidéo. Donc, nous avons bien entendu ceci. N'oubliez pas, ici nous avons la région avec les encadrés en vert. Donc, je mets bien ma petite barre d'outils en dehors. Je fais en sorte d'avoir une petite résolution ici en choisissant par exemple 640 par 480, ce qui va me faire une petite fenêtre. Et si j'ouvre quelque chose, voilà par exemple le forum, nous voyons bien ici la région qui va être capturée. Maintenant, quand je vais enregistrer, vous allez voir, avant tout, excusez-moi, il va falloir aller dans les paramètres et cocher la case Dynamic Region Following Mouse Cursor, c'est-à-dire que ça va suivre votre curseur. Si je lance l'enregistrement, nous allons voir que nous allons, je vais aller par exemple ici, et normalement la fenêtre va suivre votre curseur. Si mon curseur descend en bas à droite, si je vais à gauche, la capture se fera suivant l'emplacement du curseur. Et maintenant, nous allons voir le résultat. Donc, j'obtiens ma vidéo finale ici. Et si je mets en lecture, voilà ce que ça donne. Nous obtenons un zoom. Alors, il est bien entendu qu'il faut aller doucement avec votre souris, sinon on n'y voit pas grand-chose. C'est une façon de faire un zoom pour faire un tuto, par exemple, sur un logiciel ou toute autre chose. La fonction est très simple. Et voilà ce que nous obtenons. Si vous avez des questions, vous pouvez passer par le forum.